des projecteurs sont braqués sur la pelouse de l'Al Bayt Stadium. Bienvenue à toutes et à tous, on a hâte que ce duel démarre. Au commentaire de ce match, c'est donc moi le jeune Benjamin Da Silva et c'est donc lui le moins jeune Omar Da Fonseca. On en est à la deuxième journée de phase de groupe de cette Coupe du Monde et c'est une magnifique fête qui s'annonce pour tout le monde ici. Il n'y a rien qui ressemble à un match de Coupe du Monde. C'est toujours une émotion particulière pour les joueurs mais aussi pour les supporters. Allez, on jette un coup d'œil sur la composition d'équipe. Un 4-4-2 asymétrique avec ce système de pointe en plomb en retrait en soutien. Ça va permettre plus de mobilité devant et de tourner tout autour. Le Mexique va débuter avec l'équipe suivante. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3. Allez, c'est parti pour ce match de phase de groupe de Coupe du Monde. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Le ballon en touche. Henry Martin. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. La grosse opportunité, attention! Oui, bonne intervention. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous à un gros match de sa part. Sa caractéristique, on la connaît. C'est sa lucidité, sa précision, son aptitude à être dans le bon endroit avec le geste juste. Ses qualités de finition te donnent une grande sérénité quand tu rentres dans la surface. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Ah, il y a faute, mais avantage. L'arbitre, là, elle fait signe de continuer. Ah, et le jeu sur les ailes pour progresser, c'est intéressant. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Henry Martin. Attention, le ballon est offert aux adversaires. Oui, c'est bien anticipé. La passe est coupée. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Et oui, le tir. Intervention du gardien. Orbelin. Le ballon est maintenant récupéré. L'attaque se poursuit, elle se développe. Et c'est une frappe! L'intervention du gardien. Le corner. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe.
Lozano. Un super tacle et ce ballon est récupéré. Oh, ça peut aller au but. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Et la défense s'en sort. Cette parade est importante. Ça rassure son équipe. Bonne vision là avec cette passe. Et le ballon est renvoyé, attention. Oh, finalement c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi et c'est la sanction. Être opportuniste dans le football, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est par exemple anticiper son tir côté opposé et être bien placé pour la remettre si jamais le ballon est relâché. Le plus difficile, ce n'est pas le tir, mais c'est d'avoir l'opportunité de tirer. Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Henry Martin, le ballon vers Lozano. Le centre, il y a du monde. Un ballon récupéré. Ah, ils se font subtiliser le ballon. Et l'équipe reprend la possession. Allez, sur le côté pour amener le danger. Oui, c'est bien intercepté dans la surface de réparation. Oui, la bonne intervention, touche. Elle frappe contrée sans souci. Et une occasion de contre à négocier. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Orbelin. Il prend sa chance. Et c'est capté par le gardien sans danger réel. Ouais, c'est une transmission interceptée. Et le panneau indique le temps additionnel, une petite minute. C'est terminé pour cette première période donc à l'Al Bayt Stadium. Ouais, c'est parti. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps de cette rencontre de phase de poule du mondial. Ouais, c'est une transmission bien coupée. Le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Ah, les supporters attendent la frappe, une chance d'égaliser peut-être. Et oui, c'est le but, voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On le revoit et c'est le but typique d'Avançant. Le type qui est toujours au bon endroit, au bon moment, aucune chance pour le gardien à cette distance. Et avec ce but, score de parité, 1 partout. Orbelin.
Le ballon change de camp. Ah, bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Orbelin. Ouais, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Et ici l'occasion pour mener. C'est sauvé par le gardien. Quelle parade! Et on le voit, hein, les chiffres de la possession sont très proches. Le ballon va de gauche à droite sans s'arrêter. On a même l'impression que le terrain est penché de deux côtés tellement les anciens s'enchaînent. Ça nous fait vraiment un magnifique spectacle, une très belle publicité pour le football. On se régale. Ouais, justement, regardez, peut-être une nouvelle occasion là-dessus. Ouais, pas mal, il est dangereux ce ballon vers la surface. Oh là là, dégagement complètement loupé. Ouais, c'est une bonne défense avec cette interception. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Eh oui, c'est une récupération facile pour le gardien. Henry Martin. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Et oui, le tir. Oui, bien fait de la part du gardien. Et un changement donc. L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Ah, il est bien frappé ce corner. Et non, ballon perdu. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et le ballon finit sa course dans les bras du gardien, aucun souci. Ballon vers Raúl Jiménez. Attention à la frappe. Les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive à l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Excellente intervention, ça sort en touche. Attention à cette passe. Ouais, tacle parfaitement exécuté, il le fallait. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Et la frappe, et le gardien était bien vigilant. Plus beaucoup de temps, mais un bon corner pour peut-être revenir au score.
Le corner bien tiré. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Vers ses partenaires dans la surface. Ouh, le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Et au final, ça ne donne rien. Ballon vers Raúl Jiménez. Et le tir, attention! Mais quelle occasion! Et plus que quelques minutes seulement pour creuser l'écart. Le piège maintenant, ce serait de trop se précipiter. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Mais non, ce ballon est perdu. Il y a faute, mais avantage. L'arbitre, là, elle fait signe de continuer. Et belle passe en profondeur. Une belle occasion, mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement, il va falloir rapidement plier le match pour éviter les catastrophes. Et voilà le coup de sifflet final de l'arbitre. Elle renvoie donc tout le monde au vestiaire. C'est une victoire pour l'équipe visiteuse. Et oui, match très équilibré. Mais finalement, elle l'emporte grâce à ce petit but. Ça s'est joué à rien du tout. L'attaque se poursuit, elle se développe.